C'est l'heure de parler à notre chroniqueur littéraire Paul Ouellette. Bonjour Paul. Bonjour Caroline. Alors, vous allez nous parler de la dernière BD d'Astérix et Obélix. On fait une incursion dans le monde des adolescents avec cette nouvelle histoire. Oui, effectivement, parce que là, on va parler de La fille de Vercingétorix, c'est le titre de cet album-là. Et comme vous le savez, les Astérix maintenant ne sont plus dessinés par Uderzo et les textes ne sont plus de Goscinny parce qu'un est décédé puis l'autre a pris sa retraite. Alors, c'est maintenant Ferry qui fait les textes et Conrad qui fait les dessins. Ça, au niveau des dessins, ça respecte parfaitement la pictographie, ça, il n'y a aucun problème. J'avais été, Caroline, un peu déçu, moi, par l'avant-dernier album avec des textes de Ferry, parce que je trouvais que ça manquait un peu de l'esprit de fond de ce que Goscinny donnait aux textes. Mais là, avec celui-là, on y revient aux bonnes blagues, on y revient aux jeux de mots, on y revient aux noms qui sont quand même assez particuliers. Par exemple, ceux qui ont lu beaucoup d'Astérix savent que les fameux pirates, à chaque fois qu'il y a une incursion d'Astérix et d'Obélix chez les pirates, on sait que le navire va être coulé. Oui. Vous allez avoir des surprises avec celui-là, parce que là, il y a des choses qui vont changer. Et en même temps, soyez curieux, il y a un chanteur qui fait partie des pirates et qui, lui, chacune de ses répliques, c'est le titre d'une chanson de son répertoire. Alors, si vous êtes curieux, vous allez le trouver. Mais on parle de quoi dans cet album-là? C'est que Vercingétorix a été obligé de plier devant les Romains et il confie sa fille au village des irréductibles Gaulois que sont le village d'Astérix et d'Obélix. Ils doivent protéger cette jeune fille-là parce que les troupes, les généraux d'Astérix vont chercher de l'aide à Londres, donc ils laissent la jeune fille dans le village. Mais la jeune fille en question, elle a un défaut, c'est que c'est une fugueuse. Elle veut faire sa vie. Et là, c'est toute la contestation de la jeunesse versus les plus vieux, et les textes sont savoureux. Alors, amusez-vous à découvrir cet album-là, c'est le dernier d'Astérix. Ça s'appelle La fille de Vercingétorix, et évidemment, les textes sont de Ferry et de Conrad, et le lancement a été pharaonique en France, parce que il y a plusieurs stations du métro de Paris où on a changé les noms pour donner des noms à X pour le lancement de l'album. Alors, ça a été lancé en grand, c'est le cas de le dire. La fille de Vercingétorix, le dernier Astérix, mettez la main là-dessus. Maintenant, vous me parlez du roman La menteuse et la ville, histoire d'une jeune fille de 17 ans là, qui s'ennuie. Un jour, elle va se faire agresser verbalement par un chanteur là, sur le retour. Et là, c'est tout un jeu de vérité ou mensonge. Est-ce que elle est une pseudo-victime? Oui, effectivement. Elle travaille dans un dépanneur. Arrive cette espèce d'artiste un peu snob. On commence à pas à s'engueuler, mais en tout cas, à parler fort. La jeune fille décide de sortir du dépanneur en question, si on peut employer le terme. Et là, il la bouscule. Et là, elle se met à hurler, mais pas à peu près. Alors, évidemment, tout le monde entend autour. Les gens arrivent à la course pour savoir ce qui se passe. Et là, elle l'accuse. Elle l'accuse de choses qu'il n'a pas fait. Parce qu'en fait, il n'a fait que parler fort, mais il n'a pas fait ce dont elle l'accuse. Et là, c'est un peu le mensonge qui dégénère. Ça dégénère, mais pas à peu près. Alors, c'est un peu ce que Ayelet Gundar Goshen, dans ses romans, parce que ça, c'est une auteure qui est d'origine israélienne. Et en Israël, c'est une auteure très, très, très populaire. Même maintenant, elle est traduite, je pense, en une quinzaine de langues. Et c'est toujours un regard social versus une histoire qui pourrait se passer. Et vous savez qu'il y en a eu, puis il y en aura encore des histoires comme celle-là, où quelqu'un ment, mais pas à peu près. Et cette personne-là, par la suite, va être stigmatisée, mais pas à peu près. Et comment est-ce qu'on se sort d'un mensonge comme celui-là? Parce qu'on ne s'en sort pas. Plus ça va, plus on se cale. Et c'est un peu ce qu'Ayelet Gundar Goshen nous montre dans ce roman-là. C'est très bien écrit, très bien traduit, très bien écrit. Découvrez ce roman-là, La menteuse et la ville, parce que il y a la menteuse, mais il y a tout ce que les gens vont dire autour, tout ce que les gens vont colporter autour, tout ce que les gens vont amplifier autour de l'événement. Alors, c'est peut-être ce qui fait la particularité. La menteuse et la ville, Ayelet Gundar Goshen, s'est publié au Prince de la Cité. Bernard Werber s'est beaucoup intéressé aux fourmis. Maintenant, il s'intéresse aux chats et vous allez nous parler brièvement de la suite de Demain les chats.
Oui, effectivement, Sa Majesté des Chats, qui, où Bernard Werber en profite dans ce livre-là pour, évidemment, versus la parole des chats, nous faire un peu de philosophie ou nous apprendre des choses sur maint aspect et de l'humain versus le chat et du chat versus l'humain. Alors, si vous aimez Bernard Werber, c'est peut-être un de ses livres, un de ses romans à découvrir. Ça, c'est publié chez Albin Michel. Alors, si vous aimez Werber et les chats, j'imagine? Oui, effectivement. Alors, on va faire une pause et tout de suite après, on va parler d'un livre qui s'appelle « Créatrice ». De retour à la pause lecture avec Paul Ouellette, vous nous parlez d'un ouvrage qui s'appelle « Créatrice ». C'est Valérie Chevalier et Andréane Gauthier qui nous dressent en fait le portrait de 30 Québécoises. Oui, effectivement, 30 Québécoises du monde des arts. Il aurait dû y en avoir 31 parce que je me demande pourquoi votre nom n'est pas la dite Caroline. En tout cas, bref, on fera des représentations un de ces jours. Dans « Créatrice », « Créatrice », c'est un superbe album, Caroline. Un album d'abord de photographie et où on parle de ces 30 femmes qui sont des créatrices au Québec. Je vous donne des exemples, comme la chanteuse Isabelle Boulay, Christine Brouillette, qui est l'auteur, Monia Chokri, cette comédienne qu'on a vue dans des émissions à la télévision, qui maintenant est productrice, réalisatrice, qui a vu deux de ses films, d'ailleurs, primés en France. Mélissa Desormeaux-Poulain, que l'on voit à la télévision ces temps-ci, dans les habits d'une avocate. Micheline Langteau, qui vient tout juste, d'ailleurs, de lancer son dernier film à Québec. Elle était à Québec ces jours-ci. Sophie Lorrain, comédienne, réalisatrice, elle aussi. Dominique Michel, mais un des plus beaux portraits dans ce livre-là, c'est certainement le portrait de Dominique Michel, où elle nous parle de sa vie, où elle nous parle de sa carrière, où elle nous dit « Oui, j'ai fait des erreurs, il y a des choses que je ne referai pas. » Et c'est drôle parce qu'elle dit « Je suis très heureuse de ma vie, j'ai fait une belle vie, j'ai eu une belle carrière, mais l'erreur que je ne referai plus, c'est me marier. » Alors, elle, c'est catégorique, à plus de 80 ans, c'est la position qu'elle prend. Mais il y a aussi le portrait d'Ariane Moffat, de Guylaine Tremblay, de Colombe Saint-Pierre, cette jeune chef. Chef à Rimouski, jeune chef, cette chef maintenant qui est reconnue partout au Québec et qui a son restaurant à Rimouski. Et elle nous parle de qu'est-ce que c'est que créer. C'est pas toujours facile, la création, parce que ça amène des obligations, ça amène énormément de pression. Alors, toutes ces femmes-là vous en parlent. Et il y a évidemment des portraits, des photographies dans cet album-là qui sont fantastiques par Andréane Gauthier, qui est un peu la photographe des artistes, où l'on voit beaucoup, beaucoup de ses photos sans que vous sachiez que c'est elle dans des magazines québécois. C'est la photographe officielle du Festival international du film de Toronto, d'ailleurs. Alors, c'est une grande photographe. Et les photos à l'intérieur de ça vous représentent très bien chacune de ces personnes-là. Par ces photos, on voit le caractère de ces gens-là. C'est un superbe album. Mettez ça sur votre liste de cadeaux de Noël ou mettez ça sur votre cadeau, sur votre liste de « à moi, de moi », là, parce que c'est un superbe album. Ça s'appelle « Créatrice, 30 portraits de Québécoises inspirantes » de Valérie Chevalier, qui a rencontré ces gens-là, qui a fait les interviews, d'Andréane Gauthier, qui est la photographe. C'est un des beaux albums publiés chez Urtubise. Et on termine avec le dictionnaire amoureux de la diplomatie. Ouais, ça, je vous en parle parce que vous savez que les dictionnaires amoureux, c'est une grande collection. Un dictionnaire amoureux, je ne sais pas moi, de l'Égypte, dictionnaire amoureux de la France, dictionnaire amoureux des femmes, etc., etc. Et celui-là, il a une particularité parce que vous savez que la diplomatie est un aspect intéressant de la politique et particulièrement de la politique internationale. Et quand cesse la diplomatie, commence souvent les guerres. Et il y a un bonhomme qui s'appelle Albert de Broglie qui avait dit à un moment donné, la diplomatie est ce que la civilisation a imaginé de mieux pour empêcher la force de présider seule aux rapports internationaux. Alors, ça veut dire en résumé que tant qu'on se parle, tant qu'on cherche à régler les problèmes, ben on évite justement de se taper dessus. Alors, dans ce dictionnaire-là, ce que l'on fait, c'est qu'on brosse un peu le portrait de personnages qui ont été de grands diplomates à travers l'histoire jusqu'à maintenant, les endroits mythiques où se sont installées des ambassades. Je vous donne seulement l'exemple du Palais Farnese en Italie, qui est l'ambassade française, mais cet édifice-là, il a toute une histoire, mais pas à peu près. Alors, on vous raconte ça. Il y a eu des femmes qui ont été diplomates également. On en fait la nomenclature. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie? Bon, on vous l'explique. Alors,
tous les congrès qui ont eu lieu, toutes les associations et évidemment les grands diplomates des différents pays qui ont eu à intervenir à un certain moment donné ou qui ont essayé d'intervenir pour éviter des guerres. Alors, dictionnaire amoureux de la diplomatie, si cet aspect-là vous intéresse, si vous aimez la politique internationale, si vous êtes curieux aussi parce que vous apprenez plein de choses dans ces livres-là, ça a été écrit par Daniel Jouanneau et ça, c'est publié chez Plon. Et à offrir en cadeau à Donald Trump. Je ne sais pas s'il le lirait parce que c'est une brique et paraît-il que les briques lui font peur. Non, ils font peur, effectivement. Merci beaucoup, Paul. À mercredi prochain. Bonne semaine.